السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله Amma On va essayer de continuer de lire dans ce kitab. Euh, je suis toujours en déplacement, mais bon, ta'ala, je peux me poser et faire le Ders de temps à autre. Comme j'ai dit dans le burnamage, dans le programme, je ne peux pas vous dire quel jour exactement je le ferai, mais chaque jour où je verrai que j'aurai la possibilité de le faire dans ces zones-là, je vous avertirai le jour même pour vous dire aujourd'hui Ders. Ainsi de suite. Donc, il faut rester juste au courant chaque jour. Et en fonction des circonstances, je ferai ou je ne ferai pas le DERS. T as -t as -t as. Chez euh, j'avais reçu une question par rapport à la coiffure de la femme. On interrogé au propos de la femme est-ce qu'elle peut faire un chignon chez elle Parce qu'elle n'est pas à la maison. Pour différentes raisons différentes raisons. Euh, donc ça, je, je, je ne pourrais pas y mettre de jument, je ne sais pas, Allahu ta'ala-alem, car le hadith qui a interdit le chignon, c'est que cela fait ressembler à une bosse de chameau, et que ce n'est pas précisé que ce soit dehors ou dans la maison. Et dans le hadith au début, il parle de Anissa, Kasiat, Haliat, des femmes vêtues des vêtus. Et à la base, être vêtue des vêtus la femme peut l'être dans son foyer pour son époux. Maintenant, est-ce que le, la, cette euh, façon de se coiffer est valable aussi dans la maison lorsque la femme elle est seule ou en, en, en présence de son époux Je ne saurais répondre. Allah Ta'ala Car le hadith ne le précise pas en soi. Taï. Donc la dernière fois, on a fini. Le fossile qui concerne... التجمل بتغيير خلق عز وجل desemblir par la création le changement de la création عز وجل. ان ادله واليوم سندخل في الباب الثالث في حفظ اللسان من الحصائد والاثام donc maintenant c'est le troisième chapitre qui lui concerne le fait de protéger sa langue des mauvaises paroles Et, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, men li, ma wa jannah. a dit le nabi sallallahu alayhi wa celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires et ses deux jambes, je lui garantis le jannah. C'est-à-dire, celui qui me garantit, qui tiendra sa langue et son sexe, je lui garantis le jannah. Donc, les chapitres précédents qu'on a parlé étaient plus relatifs par rapport justement à la préservation des parties génitales. Tout ce qui était attrait à l'accoutrement, à la sortie du foyer, l'embellissement. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour les rapports qu'il y aura entre les hommes et les femmes. Donc, c'est quoi le but? De ne pas arriver, justement, à enfreindre cette, euh, cette interdiction. Et là, maintenant, ça va être la langue. Préserver la langue. Quand Allah a dit, après qu'il lui fait différentes exhortations, il lui a dit, retiens cela, en lui prenant la, en se tenant la langue. Quand Allah a dit, il a dit, au message d'Allah, est-ce que nous serons repris, c'est-à-dire jugés, pour ce que nous prononçons comme parole? Il a dit, il a dit, il a dit que ta mère te perd au moaz. Est-ce que les gens seront traînés et jetés au feu sur leur visage à la vujouihim ou Ils seront traînés au feu sur leur visage ou par leur narine, si ce n'est parce que leur langue ont récolté. Donc la langue est parmi les choses qui amènent à faire le plus de mal. Maintenant, ce bêbe-là, il concerne les hommes comme les femmes. et concerne les hommes comme les femmes. Toutefois, l'auteur l'a mis ici car la femme a une particularité par rapport à l'homme, c'est qu'elle parle plus. La femme use plus de sa langue que l'homme. Et comme elle est plus émotive ou autre, elle a tendance à tout le temps ou trop souvent vouloir dire ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense, sans pour savoir vraiment juger si ce qu'elle pense ou ressent est vraiment légitime d'être prononcé ou d'être dit. Malheureusement, c'est que c'est ce côté de dire comme je le ressens, eh bien, faut que je le dise. Et ça, c'est une chose qui est nuisible. Ce n'est pas tout ce que l'on ressent que l'on doit dire. D'ailleurs, ce n'est pas tout ce qu'on ressent qui est légitime. Des fois, on ressent des choses, sont, on n'a pas à les ressentir. On a été vexé, on est en colère, on a été contrarié. Donc, de là, on ressent des choses et on se dit comme je le pense, je le dis. Ce n'est pas tout ce qu'on pense qui est valable en religion. D'accord Et ce n'est pas tout ce qu'on ressent qui est forcément exprimé. Des fois, oui, et des fois, non. Et la femme, elle a ce côté-là par rapport à l'homme de ce qu'elle ressent de devoir l'extérioriser, de devoir le dire. D'ailleurs, elle pleure plus. Euh, le... Dans les hadiths qui vont venir, elle est peut-être plus aimée même à avoir des paroles euh, d'ingratitude, comme on va le voir dans le bœuf du, 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 du mariage. Euh, elle a tendance à maudire, à insulter plus rapidement, faire fallait de raconter les enfants, ou ce genre de choses. Donc sa langue lui est plus nuisible. Donc l'auteur l'a cité ici. Mais, comme on le dit, ces hadiths, ils sont généraux, ils sont valables pour l'homme comme pour la femme. Ya'aul. وجوب حفظ اللسان. دونك لوبلجاسيون دو بريزيرفي لا لونغ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخركم قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بس اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. في نص ولا يدي: أوفو كي Qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple. C'est-à-dire, des gens ne se moquent pas d'autres personnes. Il se peut qu'ils soient meilleurs que eux. Il nie des femmes d'autres femmes. Il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Et ne vous lancez pas des sobriquets. Et ne vous médisez pas. Euh, et quelle mauvaise, quelle mauvaise nomi, euh, nomination qu'est la perversion après avoir connu, elle mène la foi. Et celui qui ne se repent pas, ce sont ceux-là les injustes. Y'a Ibn Kathir, Ta'ala, هذه هي الايه ينهى تعالى عن السخريه بالناس وهو احتقارهم والاستزاء بهم وهذا حرام فإنه قد يكون المحتقر اعظم قدرا عند الله واحب اليه من الساخر منه المحتقر له في التفسير كثير ان الله نهىنا عن التريقه envers les gens la moquerie envers les gens qui لفعل de les mépriser et de se moquer d'eux Tout cela est interdit. Car il est possible que la personne qui était méprisée, en réalité, soit meilleure que celle qui méprise. Et elle soit préférée auprès d'Allah que celui qui méprise. D'ailleurs, le fait d'avoir de, de, euh, du mépris envers le croyant, qu'il suffit comme mal au, à la personne qu'il ait du mépris envers son frère croyant. Donc il y a des choses qui méritent du mépris. Le mépris n'est pas en soi interdit, mais envers le croyant pour ce qu'il ne mérite pas, non. Car celui qui méprise, cela revient à ce qu'il se sente meilleur. Qui se voit plus haut. Donc qu'est-ce qu'il fait Il rabaisse l'autre. Et il se peut que celui qui soit rabaissé soit meilleur que celui qui rabaisse. Après, le fait, ne faut pas comprendre le mépris et la réprimande. Et la correction. Car des fois, on peut t amener à dire des choses à des gens, des choses qui peuvent des fois les vexer, non pas dans le but de les mépriser, mais de leur faire comprendre leurs erreurs. Et des fois, ça a été avec douceur, et c'est la base, et des fois, ça peut être avec euh, rudesse, dans la colère, ou dans les situations gravissimes. Donc ce n'est pas toute parole qui forcément, que la personne ressent qu'elle est méprisée, que c'est forcément du mépris. Il y a des gens qui sont susceptibles quand on leur dis des choses, ils se disent « Tu me méprises », on dit « Non, je ne te méprise pas, je te corrige » je te rectifie, je te recadre, comme on dit, comme un père pourrait faire avec son enfant, par exemple, un grand frère avec son petit frère, ou un mari avec son époux, ou ainsi de suite, une personne qui, on va dire, qui aura euh, ce côté un peu d'autorité supérieure pour se permettre de dire ça, à, parce que, par exemple, il y a une façon de parler aux gens. Donc ça, généralement, ce côté-là de recadrer avec rudesse, on va le trouver chez les gens qui ont une autorité sur d'autres personnes, en général. On va pas faire ça avec les parents, on va pas faire ça avec les personnes qui sont sous de nous, avec les gouverneurs ou avec le petit frère, voilà, grand frère, ainsi de suite. D'accord Donc, faut bien comprendre qu'est-ce que le mépris pour pouvoir dire que cela est du mépris, pour ne pas que les choses soient confondues et soient placées hors contexte. Dans ce sens, voilà, il dit et ne recherche pas, selon tu n'as pas de علم، دو savoir car lui, la vue et le cœur tout cela seront interrogés. ويقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: "ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك". دي, الإمام السعدي استدعي Ne sois pas à l'affût des choses dont tu n'as pas le savoir. Mais toujours, tu dois t'assurer de ce que tu vas dire et de ce que tu vas faire. Donc ne pas parler dans des sujets sans ilm. Car on sera interrogé pour ce qu'on a dit. On ne doit pas émettre de jugement juridique en religion sans savoir. On ne doit pas mettre de critique sans savoir. Ni même d'éloge sans savoir. Tout cela demande du ilm. Car on a trop tendance à devoir parler selon nos impressions, de, de, selon nos sentiments, selon notre ressenti. Et ça, on a expliqué que ça, c'est une chose sur laquelle euh, on peut se tromper. Nous, ce qui doit nous maintenir, c'est qu'Allah, ar Rasoul, Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, comprendre les règles. On ne juge pas selon nos émotions, selon nos goûts, selon nos couleurs. Et il y a des choses, il y a des massaïles, des fois, nous déplaisent, et en réalité, euh, ce côté déplaisant, bah, il, est, il est pas à notre, notre avantage. Et des fois, il y a des choses qui nous plaisent, vous le savez, et en réalité, c'est des choses qui sont chagrinantes, qui sont mauvaises. Et des fois, il y a des choses qui coordonnent avec nos avis, mais des fois, on en fait trop, ou des fois, on n'en fait pas assez. Sur un base, on a raison, mais comme cela touche également à nos sentiments, on en fait plus qu'il ne faut. Et des choses pareilles, qu'on va aimer, et que la, la, la religion appelle à aimer, mais comme nous, on aime vraiment ça, on ajoute un amour en plus que celui qu'on doit avoir car on est pris par nos sentiments, et cela nous fait dépasser les limites. Donc, on doit parler selon le houdoud shad'i, selon les limites légiférées, ne pas les dépasser, sans quoi, on sera interrogé sur ce qu'on a dit, ce qu'on a écouté, et ainsi de suite. On va subhanahu wa ta'ala, min atid, qui ne prononce pas de parole sans qu'il n'ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. C'est-à-dire que toute parole que tu prononces, que tu dis, il y a des anges qui les écrivent. Que soit le bien que tu as dit, que soit le mal que tu as dit, tout cela est inscrit, la moindre parole que tu auras prononcée. Et cette parole-là sera soit pour toi, soit contre toi. Soit c'est une bonne parole que tu auras prononcée, donc elle sera en ta faveur, soit c'est une parole qui sera mauvaise, elle sera en ta défaveur smout, celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dit du bien ou qu'il se taise. Et ça pareil, pouvoir distinguer le bien à dire, ça demande du, rime. des fois on dit des choses, on croit que c'est un bien, alors que ce n'en est pas un. Et des fois il y a des choses, on doit les dire, mais on se tait, d'accord Et c'est un fait de le dire. On va dire, non, si ça c'est un mal, non, c'est un fait de le dire. Et à ce moment-là, on doit le dire. Cool show, toute chose elle est mise à sa place c'est ça la hikma la hikma c'est pas la gentillesse la, la, la hikma c'est mettre les choses à sa place quand tu mets une chose à sa place tu as fait preuve de hikma et des fois la hikma elle implique de la rudesse et là bas c'est que c'est la douceur et après la personne qui a de la hikma elle sait où placer quand être dur et quand être doux après c'est une chose c'est sûr c'est dur à, à gérer Parce que souvent on est pris par les émotions on se met en colère ou des fois c'est le contraire on est très content on est joyeux, on rigole un moment, des fois, bah, faut pas rigoler. Et des fois, on se met en colère. Dans un moment, on aurait dû patienter. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ça, c'est souvent ça joue avec les sentiments de l'être humain. C'est trompeur, c'est traître. C'est rare les gens qui sont moins à pouvoir avoir, savoir peser les paroles et dire les bonnes au bon moment. Et le Nabi sans seulement fait interrogé quel est le meilleur islam C'est-à-dire la meilleure pratique qu'il soit chez la personne. Et là on parle des actes apparents ou quoi Il a dit, le meilleur islam c'est que les musulmans celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. De sa langue et de sa main. Donc la personne ne nuit ni par ses paroles ni par ses gestes. Wa est le Hafiz euh, là, afouan. Donc, maintenant, le musulman, c'est quelqu'un de qui on est à l'abri. Ou du moins, ça, c'est le musulman par excellence. Celui dont on est censé être à l'abri. Car maintenant, on qu'on est presque à l'abri de personne. Malheureusement, avec tant les fois sont faibles et tant l'ignorance est répandue. On est à l'abri de personne, en général. Quoi qu'il en soit, le fait de faire cela ne veut pas dire que tu n'es pas un musulman, mais que ton islam n'est pas dans sa perfection. Car il a dit, Ayou islam afdal, quel est le meilleur islam? Il n'a pas dit quel est l'islam, euh, le seul qui est valide. Donc le fait de nuire au musulman par sa langue et par la main ne fait pas sortir de l'islam. En soi, de base. Ça rentre dans le péché. Ça rentre dans la transgression, dans la mukharafat. Et puis la parole, elle est mauvaise envers l'autre, et puis le péché est des grands. Et également, puis on fait de mal avec nos mains, et puis le péché est des grands. Que ce soit par la violence, que ce soit par le fait de s'accaparer des biens, que ce soit par différentes choses avec nos mains qui nuisent à nos frères et à nos sœurs, cela est contre nous et cela montre que notre islam est défaillant. Non pas forcément invalide, mais défaillant. Donc maintenant, on répète, pourquoi on parle de cela par rapport au sujet de la femme? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les femmes sont plus bavardes que les hommes. Surtout entre elles. Les assises de femmes, en général, entre elles, c'est beaucoup de, de parlotte avec peu d'intérêt. De, derrière, de profit vraiment, on va dire, religieux. Ça va sur ça beaucoup de choses. Et entre autres, ce qui va arriver maintenant, parce que les femmes sont plus amenées à, à se jalouser les unes envers les autres. D'ailleurs, le Allah, dans le Coran, il faut qu'il a précisé « voilà, nisa min In. En disant au début, la parole de gens de façon générale et après la parole de la femme en particulier. Et ni de femmes envers d'autres femmes car il se peut qu'elles soient meilleures que l'autre. Donc l'insistance sur la femme prouve que cela sera peut-être plus amené à, à être présent entre elles. Dans les assises entre femmes. Et je pense que les femmes qui sont de bonne foi vont admettre cela. Elles le savent que souvent entre elles, quand elles s'assoient, ça... parle beaucoup et malheureusement il y a peu de profit dans les paroles voire même

Est-ce que vous aimeriez, ou est-ce que l'un d'entre vous aimerait, manger la chair de son frère mort Certes non, vous détestez cela. Alors craignez Allah, et certes Allah est le grand accueilleur au repentir et miséricordieux. C'est là que vient le calem de Moukafir par rapport à ce verset. Il dit, donc, il a dit, Ibn Kathir, que l'interdiction de la médisance c'est une chose qui est reconnue à l'unanimité. Al-Riba est interdite. Et seules certaines choses font exception à cette règle. Lorsqu'il y a un plus grand bien derrière, à parler et à dire des choses. Comme par exemple, il parle du jarh tardil. C'est le fait de mettre les critiques bonnes ou mauvaises aux gens qui la méritent pour le bien, euh, le bien général de la communauté. Il y a des, y a des gens, leur bien doit être connu. Qu'on sache qu'un tel, il est fiable. Et un tel est de confiance. Donc il faut le dire aux gens. D'accord En le vantant. Ou en le recommandant. Car ce n'est pas toute personne qu'on recommande qui est forcément recommandable. Vous le savez, ce n'est pas toute personne qu'on juge comme étant fiable qu'il l'est. Donc en envoyant quelqu'un vers quelqu'un, en disant un tel, il est recommandable, il est fiable, alors que ce n'est pas le cas, c'est une forme de trahison. Car les gens vont se fier à ta parole. Et le contraire, qu'on appelle le jarh. Le jarh, c'est le fait d'émettre des critiques envers des personnes qui auront une chose peut-être nuisible. De base, c'est une science qui est dans la science du hadith par rapport au rapporteur du hadith. Le jarh au tardil, c'est pour mettre, par exemple, dire un tel, tel rapporteur dans ce qu'il rapporte, il n'est pas fiable. Soit il est quelqu'un qui mémorise mal, soit il est quelqu'un qui confond, soit il est quelqu'un qui n'est pas droit dans sa religion, ce qui va, ce qui n'est pas fiable, et ainsi de suite. Et après, cette science, elle devient générale dans le sens où le jarh au on a besoin dans tous les domaines, en réalité. Ce n'est pas que dans le, dans le hadith, on a besoin même dans le mariage, dans les fréquentations, dans le imam qu'on va prendre, quand demain une soeur va se marier avec un frère, elle va savoir qui il est. Donc on va se renseigner. S'il y a des choses vraiment à faire attention, qu'elle doit savoir, il faut le dire. Donc ça rentre dans quoi Dans le jarh. Ce n'est pas, la, pas de, une chose qui est de la médisance, là, elle a besoin de savoir. Et le Nabi Sallallahu par exemple, l'a fait avec Mouawiyah et avec euh, euh, Abu Jahm. Lorsque Fatima bint Qays... Elle a voulu se marier, elle a eu les propositions des deux, il a dit que Mouhariya, il n'a pas d'argent. Et que Abu Djem, lui, c'est un homme qui a le bâton sur les épaules, c'est-à-dire que c'est un homme qui peut être violent avec les femmes. Donc il a averti que ces hommes-là ne vont pas te correspondre. Et ainsi de suite. Donc cela, qui plus est, a plus forte raison de faire cela envers les gens de la religion, les prédicateurs, enseignants, autres, savoir qui est fiable. L'innahaza, al Din que cette science est une religion. Donc vous voyez de qui vous prenez votre religion, comme, comme l'a dit Mohamed Ibn Sirine Donc c'est important de savoir à qui on a affaire. Donc ce n'est pas du riba quand on met en garde contre des gens et qu'il y a des faits concrets et faits avec science et faits avec sagesse ou faits avec d'Allah zawajel. Cela fait partie de la religion. Notre religion, on est dans un monde où ce n'est pas tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Il y a des gens ils sont mauvais. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas mauvais, malgré leur gentillesse, ils sont nuisibles parce que... Euh, ils sont leur ignorance, elle est euh, leur ignorance à cause du tort Lui n'a pas forcément de mauvaises intentions, mais il fait des choses, et il les fait mal. Par exemple, demain tu es une soeur tu as un commerce, tu veux une soeur qui travaille pour toi dans ton commerce, qu'elle fasse, qu'elle qu sache mettre en valeur tes produits à vendre. Ben, la sœur que tu vas employer, peut-être qu'elle est honnête, peut-être qu'elle est de confiance par rapport à son travail, peut-être qu'elle n'a pas l'esprit de commerce et de vente qu'il faut et commet des erreurs qui nuisent à ton commerce. Donc, elle, tu ne vas pas l'embaucher. Si demain, notre sœur veut l'embaucher, elle est dans le même domaine que toi, tu vas dire, Fulana, je la connais, elle a travaillé pour moi, attention, elle a telle et telle lacune. Par exemple. Et donc, tu as besoin de le dire. Non pas qu'elle soit mauvaise, mais qu'elle n'aura pas forcément le profil adéquat pour l'objectif recherché dans ce travail. Et pareil pour le mariage, et pareil pour acheter une voiture, et pareil pour acheter une maison, même pour acheter des vêtements. Une sœur va acheter un Gilbeb, d'une certaine marque qui est connue, que nous le saurons avant, d'autre façon, on va dire ce gilet qu'on connaît, il est pas bon parce qu'il se déchire vite, parce que la machine ne tient pas bien, parce qu'il déteint, ainsi de suite. Donc là on rentre également dans ce qu'on appelle Donc C'est une science qui est indispensable, car des gens veulent faire croire que c'est de l'abus, c'est de la médisance. Non, c'est une science dont on a besoin. C'est une science qui est évidente. Donc le riba ne rentre pas dedans, parce qu'il y a besoin de parler sur une chose qui est importante à connaître. D'accord Sans excès non plus. ثم <سؤال> يقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما الغيبه؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكر اخاك بما يكره قيل افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اختبته وان لم يكن فيه فقد بحته الى دين النبي صلى الله عليه وسلم سبب كيسك الغيبه ils ont dit Allah et son messager sont Il a dit de citer ton, ton frère parce qu'il n'aime pas. Et là, dans le hadith, ça dit, zikr, akha, et c'est valable, en fait, c'est c'est un nom général, ça rentre également dedans, la femme. D'accord? La femme rentre dedans. Ce n'est pas spécifique aux hommes. Et il a été dit, et vois-tu, si ce que je dis de mon frère est vrai? Il dit, si ce que tu dis sur lui est vrai, et que c'est une chose qu'il n'aime pas que tu cites, tu l'auras médit. Et si ce que tu dis sur lui n'est pas vrai, alors, tu auras forgé un mensonge sur lui, ce qui est d'autant plus grave. Donc, les gens disent, ouais, un tel, il a telle et telle chose. On dit, terkelas, dit, non, mais ce que je dis, c'est vrai, il a vraiment ça. Oui, il a vraiment ça. Mais ce que tu dis là n'a pas d'intérêt à être dit. Il n'y a pas d'intérêt. Et tu as dit une chose de lui qu'il n'aimerait pas que tu dises. Donc, tu as fait quoi du riba? Et ce, ce, péché, c'est un fléau, car on n'y échappe pas. Comme le disent les chère tu pourras avoir une personne, elle est chaste. Elle est honnête, elle ne vend pas, elle, ne, elle, ne, elle est honnête, c'est-à-dire dans, dans, dans tout ce qui est l'argent, elle est fiable, elle touche pas l'argent des gens, d'accord euh, La personne, elle est pudique, elle s'habille correctement, la personne dans la salawat, elle est faite à l'heure, en groupe, tout ce qui s'ensuit, elle jeûne, tout ça, et pourtant sa langue, elle n'arrive pas à la tenir. Et quasiment personne n'échappe à ce péché, malheureusement, qu'elle nous en pardonne. Plein de péchés, parmi les qabelles, elles seront facilement, on va dire facilement seront évités, mais celui-ci, Allah Mustaran, celui-ci, il est très difficile. Il est très difficile à éviter. Malheureusement. Donc, dire d'une personne, d'elle, ce qu'elle n'aime pas et qu'il n'y a pas d'intérêt à le dire, ça rentre dans le riba. D'ailleurs, aïcha Aradi elle a dit à à Sansalem, Hasbuka safiya kaza wa Kazabakaza. Dans le sens, regarde Sophia, dans le sens, elle est petite de taille. Elle a dit, Nabi Sansalem, Kulti Kalimat, la muzijat bilbar la Mazajad Elle a dit, tu as dit une parole, si elle avait été mélangée à l'eau de la mer, elle l'aurait infectée. Alors qu'elle avait juste dit quoi, que Sophia, elle est petite. Car Ounabi sallam savait que Sophia, peut-être, aurait été vexée par cette parole-là. Et c'est une chose qui est vraie. D'accord, ça peut être un défaut physique de la personne. Il est vrai, toi, tu as voulu informer d'une chose. Et sans t'en rendre compte, t'as fait du riba. Donc, quand on parle des autres, on fait attention à comment on s'exprime. Et surtout les gens, et surtout chez la femme qui elle, est les plus susceptibles par rapport aux défauts physiques. Les sœurs entre elles, quand elles se décrivent ou quand elles parlent les unes des autres, attention, vous pouvez dire des choses sur vos sœurs qu'elles n'apprécieraient pas, même si c'est vrai que la sœur a tel défaut ou telle et telle chose, elles n'aiment pas que ce soit cité en public. Donc, en faisant cela, ça rentre dans le riba. Et le riba min kabair. Le riba parce que ça équivaut à manger la chair morte. C'est une comparaison qui est vraiment dissuasive à la base de devoir laisser cet acte-là. Et pourtant, ce prana-là, c'est l'un des actes qu'on commet le plus à longueur de journée. wa Il y en l'interdiction de en namima. Donc on a expliqué que le riba c'est vikr le fait de citer d'un croyant, d'un musulman, ce qu'il n'aime pas à son sujet, même si c'est vrai. Et al-fasad, c'est le fait de colporter les paroles, ce qui amènera à, des, à du désordre. C'est la différence entre les deux. Et la Namima est encore plus dangereuse qu'elle riba. يقول الله عز وجل ولا تطيع كل حلف مهين حماز مشان بنميم اي نوبي با او celui qui euh, celui qui qui jure tout le temps et celui qui colporte grand colporteur ces gens-là faut faire attention à eux وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة Katat. Et la dîne le alayhi wa sallam ne pas au jenna Et dans une autre version, Namam. Katat ou Namam, à la base, c'est un sens similaire, avec des différences. C'est comme on l'a pris la dernière fois, la différence entre le kahin, le sahir, le harraf. Vous voyez, vous voyez euh, dans euh, ce qui touche à la prétention de connaître l'essence de l'invisible. Le kahin, celui qui prétend connaître le, le futur. Le harraf, celui qui prétend connaître les choses perdues, les choses liées au, au passé, et ainsi de suite. Mais tous, en réalité, rendent le même jugement, celui du sahir. Eh bien, le qattat et le namam, à la base, les deux, ils rendent en namima. Sauf que, c'est celui qui est présent lors d'une discussion, c'est-à-dire qu'on le voit, il est présent, il entend ce qui se dit, et après, il va colporter ce qui a été dit. Alors que le katat est celui qui écoute, sans qu'on sache qu'il entend, et ce qu'il a entendu il va le colporter. Vous voyez la nuance qui entre les deux, mais sinon les deux rentrent dans le jugement du même, les deux sont dans la mima. Donc, une fois de plus, vu que ce ders à la base est adressé en particulier aux femmes, on dit attention quand vous rapportez des choses. Car des fois, l'amima, on l'a fait sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. On entend une chose, et on va la répéter. Et ce que l'on a répété, ça, 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 ça va nuire à des gens, ça fait des fitna pas possibles entre les gens. Ça fait des grosses fitna entre les gens. « namam »« euh Yufsid mimma yufsid »« Que le namam peut faire encore plus de troubles que ne pourrait en faire un sorcier. » Car le même par une parole, il peut créer des guerres, des conflits. Cela entre deux personnes, entre deux personnes, ça amène à des conflits incroyables. Je retiens une, une anecdote d'une chose qui m'est arrivée avant l'islam. Avant mon islam, il y avait un quartier près de chez moi, une cité, qui était entré en conflit avec une autre cité euh, d'un autre secteur de Paris. Ça en arrivait aux armes à feu, bagarres et tout général. Ça y est, ça a fait du bruit dans le quartier cette, 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 cette histoire, il y a eu des blessés. Et quelques années après, euh, je travaillais dans un secteur, et là j'avais rencontré, rencontré des personnes de, de, de ce quartier, dont une fille en particulier, rien de, quand je dis rencontrer une fille, il n'y avait rien d'intime ni rien, c'est une connaissance. Et justement, il y a un jour, en discutant avec elle… Je ne sais plus comment on arrivait à parler de cette histoire qu'il y a eu de, entre les deux cités. Entre telle cité et telle cité. Je ne sais plus c'était quoi le, 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 le déclic. Et là, je vois une souris. Et euh, En fait. Ah oui. Parce qu'en fait, on avait appris que en fait, les deux cités a eu des, des, des histoires parce qu'il y avait une fille qui, qui... En fait, une fille avait eu des relations entre... Euh, avec chaque, on va dire leader de chaque cité, un qui était une tête meneuse d'une cité, elle a une relation avec lui, et avec un autre de l'autre cité. Donc ça a amené à une à une, une, une un conflit général. Les deux ils sont rentrés en histoire et chacun a ramené son quartier avec lui. Et en fait on parlait de ça avec, euh, mmh. je parlais de ça avec cette fille là et après elle me fait un sourire et elle, elle rigole, elle me dit c'était moi en fait la fille. Je dis j'étais choqué et elle en rigolait. Elle a dit, j'ai sorti avec un tel, et après avec un tel, et je parlais de l'un sur l'autre, et ça a mis une embrouille de cités, des gens qui n'avaient rien à voir, ça a sorti, comme je vous ai expliqué, les feu, ce genre de choses. Et ça, c'est purement de l'anamima. La bon, elle, c'était une cafira, je vous dis, c'est des, des, des histoires de coups femmes. Pour vous dire, regardez, une fille, ce qu'elle a causé, et elle en rigolait. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Elle en rigole, elle en souriait quand elle racontait de la chose. Donc imaginez-vous, vous savez qu'il y a des guerres de pays dont on vous parle dans les histoires de, de à l'école, qu'on nous disait tel pays et telle guerre. Vous savez que des fois, c'était des femmes qui étaient derrière ce, ce genre de conflit. Ce n'est pas l'histoire d'argent, d'économie. C'est une femme qui montait la tête à son mari pour je ne sais quelle raison et qui amenait à des guerres entières. Car quand le roi veut quelque chose dans notre territoire, c'est pas il vient tout seul. S'il va, il va emmener avec lui son armée, donc son pays. Et l'autre pour se défendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se défendre avec son armée, donc son pays. Donc ça fait une guerre. Et des fois, ça part à cause d'une femme à cause d'une femme. Des fois, c'est une histoire de territoire, de pouvoir, et des fois, c'est une femme. Vous voyez? Ce que les femmes peuvent causer comme fitin entre les hommes. Très dangereux. Et ça, ça rend le shahid, un nami ima. Que, en comportant une parole entre deux personnes, ça peut amener des conflits qui touchent trop de gens. Si ce sont deux personnes qui ont, on va dire, un haut rang, ben ça peut amener à des conflits incroyables. Incroyables. Donc vous avez compris la différence qu'il entre el même et el-Qattat. Et le fait qu'il entre pas au Jannah, les problèmes ont expliqué que ce n'est pas que c'est du, du kufr en soi. « Lakin al-awwali awali, Qui ne rentre pas avec les premiers ». Et également, c'est un wa'id shadid pour montrer la gravité de son acte. C'est une, une sévère menace pour montrer la gravité de son acte, que cela est vraiment une chose euh, fortement nuisible pour lui-même en premier et pour les autres également. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستثير من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Il a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم est passé auprès de deux tombes. Il dit ces deux là sont en train de se faire châtier. Et pourtant سي pas une chose qui une chose énorme qu'ils ont faite en soi. L'un des deux ne se préservait pas de son urine, c'est-à-dire il disait, en la main soit il urinait devant tout le monde, à la vue de tous, ou soit alors quand il surinait, il ne se préservait pas des retours d'urine, c'est-à-dire que la najassa qu'il touchait. Et l'autre, c'était un même, un calomnieur, un calomnieur, donc ce qui lui a valu le châtiment de la tombe. Donc faire attention à ça, car on expliqué les gens, plus ils parlent, et plus seront amenés à tomber dans les méfaits de la langue, dont elle riba, l'a Et comme on l'a dit tout à l'heure, que les femmes sont plus amenées à parler que les hommes, car les femmes ont moins de patience, elles savent moins se contenir et se retenir. Et ce qu'elles ont envie de faire, elles le feront plus facilement que les hommes, car elles ont moins de retenue dans beaucoup de domaines. Et là, on parle du genre, et pas non pas de l'individu. Il y a des femmes qu'on peut de retenir que bien des hommes. Ça existe, c'est certain. Mais là, on parle du genre féminin et du genre masculin, que le genre féminin est plus faible, à moins de sobre, donc peut amener à s'ouvrir ses désirs et ses passions. C'est pour ça que vous voyez que la femme, souvent, c'est la victime de la mode, c'est la victime de la consommation, parce que la femme, elle n'a pas de retenue quand elle veut quelque chose, bah, elle le veut. Il lui faut. Donc, les gens du commerce, ils visent la femme, parce qu'ils savent que la femme, elle va sortir le porte-monnaie porte plus facilement que l'homme. Parce que l'homme va réfléchir à la dépense, demain j'aurai plus ça, il y aura besoin de ça, Et donc si j'achète ça, je ne pourrai plus. Mais la femme, elle ne va pas réfléchir, elle va acheter, je le veux, donc elle va l'acheter en général. Donc, pareil, le fait d'avoir moins de sobriété de retenue, ça fait que la langue, elle va se délier. La langue elle va se lâcher. Dans le bon, mais également dans le mauvais. Dans le mauvais. Donc l'auteur a cité ce bible-là ici en particulier par rapport à la femme, dû à sa faiblesse, car elle est plus exposée à tomber dans ce genre de problème et à causer même ce genre de problème, qui ont des répercussions par la suite sur des umma entières. Non. Euh, je précise, là on a fini le death, ders, euh Comme je suis en déplacement, je ne pourrai pas mettre les duros sur la chaîne avant mon retour. Donc voilà, attendre avant que les doulous là que je fais là, ils soient euh, diffusés. Donc, pour ça que ces jours-ci, je vous conseille d'être présent pour les écouter directement, car comme je dis, on n'est pas à la d'un incident. Hein, plus de pile ou j'ai oublié d'enclencher le micro, où il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Donc, les gens présents profiteront, les absents, bah ils n'auront pas de ders. Et comme je vous l'ai expliqué, ces ders, ces doulous là, seront mis en ligne dans quelques jours, mais pas pour l'instant. Peut-être on va en faire plusieurs avant qu'ils ne soient mis en ligne. Donc, continuez à rester régulier si vous le pouvez. إذ اكتبتوه في الانترنت فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته